Mais n'y a pas de point IP, ces réseaux posaient problème. Babi, avec police, il y a circulation routière. C'est ça, c'est que ça voilà, veut avec, dire. Avec la création du PCR Vitel Camille et Tony Campo, Julien Palou et Jean-Lucien Boussa ont rendu la tâche plus facile au chef de l'État. Ma... En effet, avec. Ils se sont tirés une balle sur, une, sur leur jambe. Bango Morote. Aujourd'hui, il s'est lu. Même Congolais, dans la politique, ils ont condamné le Kouana. Je répète. Le président n'a pas été élu par des députés, le président a été élu, voté par la population congolaise, le peuple congolais. Ce n'est pas le fait que vous êtes député que vous devez prendre le président en otage. Madame, tous ont une histoire. Ilunkamba, tractation pour ma première ministre, nous a pris 7 mois à cause de votre comportement. Est-ce que les Congolais vont être élus? Et lui, pourquoi? Qu'est-ce que moi je peux avoir? Moi, je ne fais pas ça. Moi, ça. Ministère régalé. Peuple quoi, non? C'est ça, il va nous. Mais nakamoka batunyo se baloba IDP ça respecte ma corte. Et bon mabé batuba ça la IDP pourquoi boloba ngote. Mabé ni basa la bino. Mais s'il y a un parti. Fait accompagner bino. Boketi dans suka bakangi écoute pour la projet 100 jours. Et bon ce temps ma on va recouvrir bino PKK. Zenon. Zenon, le président veka ça nini. Le président a besoin que vite la cour à couvrir. Madame, tant que dans Nairobi, il s'agissait que le président, comme président, Vital Kamerhe est premier ministre et photos en majorité. L'accord de Nairobi est koufa avec FCK. Non, la réalité politique est bon, est bon, cash. Président, a eu majorité, FCC Kabila a eu primature. Ce que il fallait imposer Kamerhe. Depuis, on a et koufa nango. Maman. Par quel mais bon, ben Yamakasi. Viens déjà te ok en dazo paiement. Viens sali musala bien, hein? Donc viens paie ma main. T'es dans l'ambition présidentielle, t'es va rendre service. T'es Yakomi à Olongwa. Spectateurs de Congo Uni Télévision, bienvenue à tous, hein, de partout où vous nous suivez en ces nets moments. Comme vous le savez très bien, j'aime bien toujours le dire, Congo Uni Télévision est là pour vous informer, vous partager avec vous des informations vraies et vérifiables. Alors, comme vous le savez très bien, fidèles téléspectateurs, le président Félix Antoine Tshisekedi se trouve face à un dilemme, surtout par rapport avec ces multiples, dois-je les dire comme ça, mais avec la création des plateformes. Forme au tout le monde, il y a Vital Kamerhe, Domoni Ndekolabusope, Samalou Kondé, le ministre le plus silencieux, Yepi Asali, aux alliés plateformes, mais la Katia Union Sacrée. Alors, et Sali qui est mieux surtout, les alliés qui ont ben d'un problème, on ne sait pas où, mais en même temps, tout le monde, Domoni Augustin Kabouya, aux alliés secrétaire général, il y a UDPS, ils ont minimisé le problème, donc il a dédramatisé après sa rencontre avec le premier ministre Samalou Kondé. Je dis, je suis en train de lire ce qu'il a dit. C'est normal, je n'ai pas condamné qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Alors ça, ce sont des mots, il y a Augustin Kabouya. Sur ces plateaux, je leur ai le plaisir de recevoir M. Joseph Mbenza, qui est cadre de l'UDS, c'est ça? Bonjour, oui. Bienvenue à vous. Merci Madame Marlène, merci pour l'invitation. C'est la première fois, j'espère que vos téléspectateurs ne seront pas déçus. Je l'espère aussi. Ouais. Alors, fidèles téléspectateurs, cette émission, comme vous le savez, ça se passe toujours en Lingala. Tobé, tu as quand même des solos, il y a au mieux surtout les amis communs, hein, parce qu'on a appris quand même qu'il y a certains communicateurs, non seulement certains communicateurs, mais il y a une déco, il y a UDPS, il y a une déco, il y a UDPS, il y a une déco, il y a une déco, qu'on a pour faire élire président Félix Antoine Tshisekedi. Mais en même temps, bah, communicateur aussi, bah, Zalé peut réclamer. Les gens se sont dit, il faut quand même féliciter, bah, il y a eu des baisses, féliciter également les communicateurs. Tout ça, bah, communicateur, combien finalement, quand il y a eu des baisses, qu'on doit quand même le remercier, qu'on doit le féliciter. Tout le monde a quitté un dossier et belé la moukaki. Bah, communicateur, ou la bah, télémaki, bah, lobby, il faut quand même, bah, on peut bah, la payer. Parce que Team Vince, Bangoka va s'accaparer qui n'a bon ou la campagne. Mais Bango, par contre, les caca toujours dans la télévision, hein, avec leurs propres moyens. C'est comme ça qu'ils se sont dit. Mais il y a d'autres communicateurs qui se font appeler des communicateurs attitrés, des communicateurs du président Félix Antoine Tshisekedi.
Mais qui est communicateur dans la catégorie UDPS? Parce que tu as évité. Ils ont ni les autres canakats, il y a UDPS. Déjà, binomor, on a UDPS, ça ne va pas. Union sacrée, tout ce monde appelle les sous malaise, mort et côté. En fait, merci pour na éviter que Colombe la marama ba communicateur parce que ça prête na ba polémique au Bélé, mais l'élo n'a osé permettre na loba. Mais yo pe na kati liste on a ba réclamation au Bosenga qui peut combiner ça qui na kati. Ouais, combiner dans les zara qui entre 24e et 25e personne. Bon, to bandino ba masto ba cela qui même on a. Donc ba saliango l'idée était bonne. Mais la manière de faire n'était pas bonne, ni l'opportunité. Donc, on a un peu en pleine campagne, et puis on a un congo central. Pouf, on a un peu bord, mais si on a quatre, on a un peu de ultimatum. Or, une autorité, on a un peu de ultimatum. C'était une erreur, il y a communication, il y a opportunité, il y a sorti le qu'on a, mais l'intention et le but, ils allaient qu'il y a madame. Parce que, madame, disons-nous des vérités. Communicateur machin du chef de l'État, communicateur Fouati, Konini, tout ça, c'est des histoires à dormir debout, madame. Mais comment ça encore? Mon konzambo katango a eu pouvoir naïe. Il y a eu des communicateurs qui se sont présentés volontairement et qui se sont constitués autour de Donald Kabasele ou bien de Fumutoto. Pas de problème. Okay. Mais qui ont défendu le chef de l'État depuis son mandat face au FCC. Tout à l'origine. Oui, mais ton tosa cache, c'est-à-dire UDPS, UNC, il y avait des communicateurs de l'UNC et de l'UDPS seulement, et des volontaires. Les autres, le Fumutoto et les autres, étaient dans le FCC, s'il vous plaît. Le Fumutoto et les autres étaient dans le FCC. Donc, ça, c'est l'histoire. Les deux camps. Ça, c'est l'histoire. Okay. On sent tout le monde qu'on s'est tiré. Tous ces gens l'ont tiré sur l'UDPS et le chef de l'État. Donc, tu es FCC caché Sili, tu es ce qu'on a période à l'Union sacrée, on comprend qu'il soit venu et que bah, comme il na vision, mais il y a une période difficile, il y a mandat chef de l'État. Projet 100 jours. C'est nous qui avons défendu le chef. Projet Chile Gelou. C'est nous qui avons défendu le chef. Makamba Baram. Pendant ce moment-là, les collaborateurs X, Y n'existaient pas. C'était le moment le plus difficile. Il y a maintenant chef de l'État. Qui était sur le terrain, nous autres ici? Volume, il y a 40 missions par mois, s'il vous plaît. Et en montant, on entend là que Bolim Bissanga, ça fait mal, qu'il y a, des gens qui sont venus à peine et qui ont ce privilège de bénéficier. Namakambouya, parce que Moutounis autant à ça. Les gens venus à peine, ou à venir à peine, ou à la Boussangana qui n'a pas encore pour la Roussala. Non, c'est-à-dire bateau, to salak, to sangana qui c'était dans le cadre de l'Union sacrée. Pour se comprendre, même le travail que ces gens-là ont fait volontairement et gratuitement pour le chef de l'État, quelque part, moi, reconnaissance mais à la Ramalam. Parce que nous avons combattu le FCC, s'il vous plaît. Nous avons combattu politiquement, bien sûr, la communication. L'amouka de Martin Fayou de l'époque. Pendant ce moment-là, communicateur privé du chef de l'État, ça n'existait pas. Excusez-moi, je ne suis pas contre vous. Mais je dis des vérités. Il n'y avait pas tous ces tendances à ma communicateur. Il n'y avait que des communicateurs de l'Union sacrée. En premier lieu, des communicateurs de l'UDP, s'il vous plaît. Nous avons combattu le FCC, la communication et l'amouka. C'était des moments très difficiles. En plus de cela, et au cours d'un moment, quand on a fini ce travail, moi, je ne suis pas contre que ma groupe est votre amébélé. Mais il faut qu'on reconnaisse Bato, Salim Moussala, ma communicateur Nyon Swana. Ils ont bien fait, même on a bango Ezaki Malamouté, mais il faut quand même, Bato, moi, reconnaissance, ce n'est pas mon Konzamboka, s'il vous plaît. Donc, vous avez un communicateur, il y a Union Sacrée, il y a un communicateur, il y a UDPS. Non, bisounio soto sangana, et ça a parté parce que nous avons dirigé M. Donald Kabasele. Mais tout cela là bien, madame. Et ça, communicateur et communicateur. Et ça, moutou moussou souka, quand on a Facebook, on a téléphone, on a publié ma kambou, on a ben communicateur. Toboïté. Moutou moussou sa zui caméra de tchèbo, on a YouTube, on a communiqué, on a ben toboïté. Mais ça, on a dimension à ma communicateur, où yo ba sala kaba débat na télévision. Parce qu'à un certain moment, la mouka benga ka soulèvement populaire. Si ce n'était pas des communicateurs qui étaient dans des chaînes de télévision à Kinshasa, tous les gens ont un problème dans le Bokao. C'est-à-dire, le bateau va s'exposer. Et ça va bisous.
Parce que mon à cause d'un téléphone naïe, tu n'as pas de contradicteur. Au commis ma cam naïe, on a n'engue naïe, on t'a contredit Rio. Asate, tu ne vas avoir que des commentaires, t'as qu'au zapper. Mais bisous tous ceux qui n'ont pas plateau à télévision, t'as fingami, t'as cholami, même au risque de nos vies. Non, les bibles nous soubat tout à bas, on a mis tout à bas, nous soubat menaçant bango. Moi, j'en étais victime. Ça, c'est la dimension la plus difficile à communication. Mais ce sont des personnes qui sont négligées aujourd'hui. Bah, récompenser minuté jusque-là. Maman, mon bon, dit... on va bien bon moment, il fait qu'il dit. C'est-à-dire, l'argent, comme... mon compte en peut être de bonne foi. Mais l'argent, c'est ce qu'on a beaucoup, ce qu'on a pas n'a pas ça non plus. Et comment qui, sous la ma liste, mon dit, moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais mon compte en ça m'a camboté. Ça, c'est un dur, mon compte en bouc, on avait erreur. Vous comprenez, madame, vous êtes la communicateur privé du chef de l'État, c'est bien bon si tu communiques que vous véhiculez un message à chef de l'État. Vous appelez communicateur, ceux qui, la bouche autorisée du chef de l'État, ce n'est que madame Tina Salama. Vous comprenez, mais ils ont un bateau, un bundi, bitumba communication, que les communicateurs de l'Union sacrée dans l'ensemble. Ces gens-là méritent reconnaissance, il y a un régime d'abisso. S'il vous plaît, je plaide pour tout le monde. Parce que j'ai vu des gens, ils ont 20 dollars, ils préfèrent payer l'émission pour aller au Makambolo, ben les Alukuta pour défendre le chef. Mais au moins, on a peine à soukabou, on a peine à bon à transport, on a comment bon à transport. On a vécu ça. Moi, à la maison, des fois, les gens me trouvaient comme. Je faisais 5 émissions par jour, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont privilégiés, on n'en disconvient pas. Mais pensez aussi aux autres. Nous allons y revenir quand même. Au minimum, il y a reconnaissance. Hein. Ah, bah, Neko Balobi, IDPS, quand même, bah, cadre, IDPS va reconnaître, et bah, quand même, dans le mandat, ou surtout, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'on reconnaître, Nandine. Oui, mais dans, pas qu'on reconnaître, mais récompenser dans le sens où, vous s'occuper comme vous, quand même, primature, vous, sénat, et tout comme ça. Du moment où, bah, les alliés tirer de partout, ouais. Jean-Pierre Bemba qui tire, on est en train de voir, qui tire sur Vital Kamerhe, tout le monde dit, bah, qui tire également, VK de son côté avec. Équipe Oazana Bango, Jean-Lucien Boussa, Kankou et tout comme ça, qui tire aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe, Nakata Union Sacrée? Bravo au secrétaire général Augustin Kabuya. Les gens l'ont minimisé pendant longtemps, mais il s'avère aujourd'hui que c'est l'homme politique qui a la maîtrise de la situation politique actuelle. C'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Madame, mon Kounzambo Kazana, majorité, va bien des coalitions. Comment vous pouvez créer une coalition dans une coalition? Et vous en créez déjà deux. Heureusement que capacité managériale, il y a dextérité, il y a secrétaire général Augustin Kabuya, il a fait la ronde des membres du présidium de l'Union Sacrée. Sauf M. Vital Kamerhe. Ouais, il y a un problème. Je dis sauf M. Vital Kamerhe. Non, il y a un problème. Non, c'est-à-dire, moi, à la place de M. Vital Kamerhe, comportement qu'on a adopté, c'est un comportement, une attitude d'humilité. Vous savez, madame, M. Kamer est sortant de la prison, vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait la ronde de l'Est, ni parler du chef de l'État, jusqu'à aller vers Bounagana, dire que nous allons négocier avec vous, au moment où le président disait que nous n'allons pas négocier avec le M23. Toujours M. Kamer. Moi, à sa place, j'aurais pris une attitude d'humilité. Mais est-ce que c'est ta propre initiative, Naï, à Salaronde ou à Salaronde? Non, mon compte en boca est Makambonate. Il est congolais, il peut circuler, il peut aller à gauche, à droite. Moi, je suis contre ceux qui disent que M. Kamerhe n'est pas congolais. M. Kamerhe est bel et bien congolais. Mais ses actes politiques nous dérangent, nous mettent mal à l'aise, parce que seulement deux jours après prestation de serment, madame, Atakoto Bazala a pris ça. Ça dérange seulement maintenant. Ça ne vous a pas dérangé avant, comportement Naï? Non, ça a toujours... Il a toujours été là. Il a accompagné les gens. Il a toujours dérangé, mais on compose avec. Parce que ça, Batoumoussou, on a choisi. Vous comprenez, madame? Donc, mais il fallait une attitude d'humilité. Laissez le président... C'est l'attitude. Bitoumbaïza, il y a un formateur, un formateur, il y a un gouvernement. Ça, c'est, on appelle ça surenchère, un chantage. Nous tous, nous avons regretté M. Sama Lukonde. Eh, M. Sama Lukonde. Vous regrettez pour un. Non! Non, il peut se souffrir d'une attitude d'immunité. Parce que tu es premier ministre en fonction.
Parce qu'il y a un calcul politique, Moutakoka, qu'on imaginait que M. Sam a pris premier ministre. On cache une sacrée bandée. Il y a un Sam a le connu dans un premier ministre. C'est le président à pouvoir discrétionnaire, naïe, il est allé choisir Sam a le connu. Il devait être humble. Mais il y a des points qui peuvent se résoudre problème. Police, il y a circulation routière. C'est ça, c'est que ça veut dire. Avec la création du PSR, Vitel Kamer et Tony Camp, Julien Paloup et Jean-Lucien Boussa ont rendu la tâche plus facile au chef de l'État. En effet, avec 120 députés, les 70 députés de ABD et les 66 députés des. Les 66 élus des BSSL, on atteint 256 députés. Non. Ils ont dit plus besoin d'un informateur. On est à Maïpaï. On est à place de Massoulé, bébé. Nous comptons doit nommer un informateur. Vous comprenez? Il y a facilité, il y a besoin d'associer M. Lamarana Bango. Augustin Kabouya, secrétaire général, n'a pas levé l'option dans ce sens-là. Madame, quand les alliés n'ont pas dit, quand on a un discours politique, nous, ces amis, nous avons révélé. Mais ça, c'est pour nous quoi faire. Nous avons révélé. Non, tout ça, c'est combattre l'UDPS. Nous avons une vérité. C'est-à-dire, nous avons dit, ah, l'UDPS, nous avons dit, c'est Robé Bissot. Mais il faut déjà comprendre. Vous ne lévisez que lui. C'était pour nous absorber. Parce que lui, eux, ils se disent, si nous ne faisons pas ça, l'IDPS va nous absorber. Mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'IDPS, c'est la première force politique dans la majorité présidentielle, même dans l'Assemblée provinciale. Comment vous allez entreprendre une démarche sans la première force? Madame, politiquement, vous sous-tendez ça sur base de quoi? Vitel Kamer est un homme honnête, ça ne vient pas de moi, le président Félix Tshisekedi. Maman, il faut faire très attention à votre discours politique. Félix, c'est un félin, c'est un stratège en politique. Mais il disait Kamer à Kabila que c'est un partenaire, aujourd'hui il a défenestré. À défendre et même pour la projet à 100 jours, Rolanda qui n'a pas de Congo quand même. 83% qui a été réalisé. 83% il y a projet à 100 jours, il a été réalisé. Et eux, ça l'a réalisé après combien de temps? Après, madame, moi je dis ceci. Le président de la République n'a pas vocation dans ses habitudes, dans son éducation. Il y a ce qu'on dit, président, comme si la nanamou, dans les médias, c'est qu'un commissaire. C'est un intégral discours politique, et non, c'est un bon monsieur. Révélation, les années, monsieur Joseph. Il voulait nous absorber, il voulait nous contrer, parce qu'il se disait que IDPS a quoi sur Bébisso, IDPS a besoin primature dans l'Assemblée nationale. Il faut faire tout casser. C'est ça la révélation. Et ça. Problème, il y a positionnement dans l'Union sacrée. Il voulait paraître comme un acteur majeur incontournable dans le partage à ma poste. Madame Mesam, à ma poste. Donc, il y a un bâti Jean-Pierre Bé, de côté, bâti Bé, bâti de côté, bâti Bé, dans Augustin Kabou, il y a des côtés. Bâti Bé, bâti Bé, bâti Bé, que Jean-Pierre Bé n'allait pas marcher avec eux, bâti n'allait pas marcher avec nous. Surtout, Bissot IDPS, on n'a pas besoin de cette démarche. Madame. Donc, Nassam Aloukonde n'allait pas marcher avec Jean-Pierre Bé, Nassam Aloukonde n'allait pas marcher. Madame, Nassam Aloukonde démarche, nous, sur politique, l'élo. Ce qui ont lié à aboutir, il faut composer avec l'UDPS. Mais comment vous allez laisser l'UDPS à côté? Et vous allez faire votre histoire. Ils sont Congolais, ils l'ont fait. Mais pour quel résultat aujourd'hui? Ils se sont tirés une balle sur leurs jambes. Bango Morote. Aujourd'hui, c'est lui. Même Congolais, dans la politique, ils sont condamnés. Je répète, le président n'a pas été élu par des députés. Le président a été élu, voté par la population congolaise, le peuple congolais. Ce n'est pas le fait que vous êtes député que vous devez prendre le pays président en otage. Madame, tous ont une histoire. Ilunkamba, tractation pour ma première ministre, nous a pris 7 mois à cause de mon comportement. Est-ce que ma Congolais va se faire? Elle dit pourquoi? Qu'est-ce que moi je peux avoir? Moi je ne fais pas ça. Moi ça. Ministère régalé. C'est ça, Ibani. Madame Yonanga Toana Kinshasa, monsieur Vitel Kamere, que je respecte politiquement, mais dans la gestion quotidienne, ministre est en charge de l'économie dans ses attributions, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congolais? Poser les jalons. Hein, Nini? Poser les jalons. Poser les jalons, après. Après, vous allez commencer. Madame, soyons concrets. C'est-à-dire, le monsieur devait être humble. Même monsieur Sam Aloukonde, il m'a déçu, ce monsieur. Premier ministre de son État. Parce que tu as 70 députés au regroupé au Bambi, Bambi n'a pas Londo. Tu veux te... C'est du n'importe quoi, madame. Excusez-moi le terme politiquement. On devait laisser le président calme, c'est-à-dire le président manager. Vous savez, le président... Non, Sam Aloukonde n'est pas au Lukaka, il est premier ministre.
premier ministre, soit le Congo central, soit l'Équateur pour des questions. Mais ce qui le président surprendre Binoté Vital Kamerhe par rapport à l'accord, est-ce que lui qui accorde à Bangoana pays sous accord ou à Bissona Bango? Madame, tant que tu es à Nairobi. Il faut respecter l'accord, tu hein? Mais Madame, tant que tu es à Nairobi, il s'agissait que le président, comme président, Vital Kamerhe est premier ministre et photos en majorité. L'accord de Nairobi est koufa avec FZKH. Non, la réalité politique est Boma cash. Président a une majorité, FCC Kabila a une primature. Ce que il fallait te imposer Kamerhe. Depuis, on a koufa nango. Nous sommes dans une autre dynamique. Le problème, nous aurions voulu que les sociétaires de l'Union sacrée, Bazala, n'a comportement mon corps exemplaire à l'égard du peuple. C'est-à-dire, Bazala, bah, au calme, toujours que n'a pas malé, malé, mais batiki l'attitude. Normalement, j'aurais compris des marches à M. Vital Kamerhe. Ce que ça aille dans le sens de réunir tout le présidium de l'Union sacrée. Bazala, bah, proposition, bah, mais ma pas mon konzamboka. Mais de manière isolée, ok, non, parce que l'Union sacrée, jusqu'à présent, est allée. Ils ont composé un membre présidium. Ils ont vendu, ils ont décidé, ils ont même une proposition à Mokonzamboka. Ça pouvait aller dans ce sens-là. Mais un cadre de réflexion. Pourquoi ça vous dérange? Cadre de réflexion pour le positionnement et pour le partage des postes. Consolider les acquis. Bon, madame, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens qui sont tous les gens. Il veut redevenir ministre encore. Donc, c'est-à-dire, depuis Mobutu, il a toujours été aux affaires. Premier mandat, Félix, il est toujours là. Deuxième mandat, il veut garder encore. Ah, madame, Atabino Moko. Donc, n'appartient à M. Jean-Lucien Boussa. C'est d'air, hein? C'est d'air. Attends, on a battu Moussou, c'était qu'il y a qu'autre ministre, à part ma maman, ma famille, n'est pas là. Oui, on a parti. Mais ce qui ne l'a pas connu, c'est que non, Bisson a arrêté. Bon, on a arrêté, je me repose. J'ai travaillé pendant, je laisse une autre personne. Monsieur Vital Kamerhe est pas le bi, n'a pas notre membre de famille, notre Moutoumoussou, sa partie, mais qui est du bandondo. Madame, et au salam à jamais. Et on est baqué au salam. Donc, c'est-à-dire, moi, ce n'est pas pour faire avancer l'économie. Non, c'est-à-dire les intérêts. Au Gustave Kabou, il y a des dramatismes de la situation, mais vous, je ne sais pas. Il ne comprend pas pourquoi vous ne visez que lui. Mais à ce qui vient de vous viser, caca. Il a déjà apporté quoi? Non, ce qu'on me met là, tant mieux. Mais par expérience, je ne sais pas ce qu'il a amené dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je reste dubitatif sur M. Vital Kamerhe. Nous aurons voulu M. Vital Kamerhe Azala Mutumoko avec une attitude d'humilité, c'est-à-dire, tant que côté n'a pas un discours Moko rassembleur au sein de l'Union sacrée. C'est-à-dire, par son expérience politique, a orienté Makambo. A pour faciliter la tâche au chef, tout s'est comporté de cette manière. Mais pour aucun moment, ça dit. Jean-Pierre Bemba pas frustré jusque-là. Le comportement, au moins, il y a un problème, les amis. Ils vont se regarder en chef de faïence. Député n'a pas réclamé toujours. Contestation, les alliés. Madame, toute la vérité entre Bissot et Naba Congolais. 25 000 candidats, 500 députés. Atayomoko. Il y aura toujours des frustrés. 40 000 candidats dans la députation provinciale. Il faudra pas dire 720. Il y aura toujours des frustrés. Il faut tout le cas loi où est-ce que nous avons découragé la pratique ou non. Maman, 25 000 candidats, il faut 24 500. Mais comment est-ce que Jean-Pierre Bemba? C'est comme si c'était moi, selon Bagendor, selon la CENI, il y a une ici autant de députés. On est engagé. Jean-Pierre Bemba. C'est comme si moi, selon Bagendor, qui en catimini, il y a autant de députés. D'autant, il y a moi 19 fois, on est bien.
Nous aurions voulu avoir 100, mais tous yeux en hauteur. Mais comme biso toi babouliste, comme biso toi bi politique, comme biso tous yeux expert électoraux, toi n'a pas mosaïque. Il en a tous à plus de 150, si je m'abuse 154. Il dépasse n'a pas mosaïque. C'est quoi yo au salam à commandeur il dépasse. D'ailleurs on a vu ça monsieur, bato basangani ba ba PCR, ce qui ba blog onane, la primature revient à l'IDPS. Eh ngai au monde Augustin Kabou ya premier ministre. En tout cas on est outil pas la matière, c'est une révélation, c'est chef, hein? Chef ou nga Augustin Kabou ya. A une ambition pas ce poste. Vraiment. Jusqu'à preuve du contraire, selon Bako il nous mais il y a ce côté. Azoy, sur aucun a limité le lot. Sentez que non, les choses se jouent à limiter pas ailleurs. C'est ok? D'accord. Alors, tu as dit que tu as dit Gentilingobila, Salimé Yakou Panaé, Asengina, Ndeko, VPM, il y a intérieur, Peter Kazadi, à revoir quand même décision naïe, parce que y a Azali, on a pour protéger les Alibas bien, la République démocratique du Congo, on a pour baby Sali Soussou. Donc, les Alibas, yin naïe, tout, bah, yin naïe. Attends, yin naïe, Jekoko. Justement, bah, Sali était pour battre Jéba, remplacer Jekoko na place naïe. Une très mauvaise analyse. À sa place, je n'aurais pas écrit cette lettre. Quand tu écris, il faut éviter qu'on indexe Moutou. Et puis, qu'on t'en Moutou a rédigé qu'il est trop là. Monsieur Gentilini Fabien. Nazoya. Monsieur Gentilini Ngobila, avec tout le respect, parce que je vous respecte, mais en tant que gouverneur passé, l'acte que vous avez posé, Ezamabe et Moutakomi, il est trop là, Fabien. Ici, je crois, je l'ai dit dans plusieurs chaînes, monsieur Gentilini Ngobila, ça a une erreur monumentale. C'est-à-dire, tant que vous avez un niveau que gérer les provinces, il faut y avoir des droits administratifs. Mais quoi le dit, ce qui, Mokondi, ou Azotala territorial, le VPM, et en charge les affaires intérieures, voudrait ou bien apposer un acte administratif au CP Nantais. Mais bien qu'on ait 72 heures, ma date à réception à Nantes, il y a lettre, parce que le VPM patine un message dans le gouverneur à Salango par télégramme, il faut, tant que réceptionner, il faut comme la sous mon kanda. Pour dire que non, j'introduis mon recours parce que votre décision, Eza Malamouté, Talaba, ma justification n'a pas. Ce qui, d'ailleurs, 312 heures à réagir, c'est OK maintenant, au saisir Conseil d'État. Conseil d'État, tant que le courant de jugement, il y a la possibilité qu'au bout de la décision, il y avait peine. Conseil d'État, au Bangotou, excusez-moi, quand même, 82. Député invalidé, bakende ko saisir à ses juges incompétents. Bango pe ba salaki erreur. C'est-à-dire, tant que Seni a publié que na invalidé, ba député invalidé, na, il fallait pas comment, on va bengaka recours de grâce auprès de la Seni. Donc, na yibiste, bon, peut-être les conseils ne font défaut. Alors, M. Gentilini a sali erreur mibale, a commis le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas, parce que le pouvoir, c'est-à-dire les compétences sont d'attribution. C'est-à-dire, Moutou Azana, attribution, là, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires intérieures. Pendant l'accès, on a bêté Kara. Donc, on a l'accès que nous, on a aux zones à 100 euros. Donc, c'est-à-dire, il s'est, en fait, à Tchelibaya, à commis le Premier ministre. Le Premier ministre a reçu les lourdes parce que lui est permettre était. Mais le lot, quelques temps après, il revient à la charge pour écrire au vice-premier ministre. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut que mon siga soit au boulet. Kopazan. Ah, bon, Rwanda, et à ce moment-là, madame. Il y a un bon, il y a l'État. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a banalisé ma solo, alors elle s'est décidée de ne pas écarter du coup. Est-ce que ça, tata, beaucoup ça, tata. C'est quoi les termes là que je viens d'utiliser, ça. Même Félix, Mboko Eza, Tata na Bangote, Eza, Maman na Bangote. C'est-à-dire, il est là pour un mandat, il va partir.
Parce que si tu dis que non, il faut qu'on aille. C'est-à-dire que le pays vous appartient. La province vous appartient. Deuxième cop. Mais ils ont quand même effort. Deuxième effort. Mais à ce moment-là, on a bon à tata à Bangouté. Deuxième cop, ils ont élection, il y a gouverneur. Parce que quand tu es gouverneur, tu as facilité de matcher. Aux en fonction, aux matchs, aux députés provinciaux. Mais sur ça, tu as la difficulté. Donc, ils ont des millions de raisons que ça, M. Gentil. Ce n'est pas pour des quinois. Mm-hmm. Ce n'est pas non plus oh. besoin de servir. Le... Non, moi, je le dis. J'ai Coco, à la qui dit que non, en moins d'une semaine, en moins d'un mois, on peut faire grand chose. Oui, oui, j'ai vu. Alors, il y a une nouvelle instruction du gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa au bourgmestre de la capitale, leur demandant notamment de ne plus accorder les autorisations d'occupation à titre précaire dans les espaces publics, d'évacuer tous les marchés pirates, des points de vente des sables, briques, moellons, caillasses et autres matériaux, des constructions sur les grandes artères. Siko, tu as la moutou, oh, à Sengeli pour la ville province. Oui, mais erreur, Misa, toi, ça là. Il convoque des bourgmestres pour une réunion pour l'investiture à Mukondamboka. Sans informer au premier, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce que Akuzong a pas ça la ligne, il pas ça la ligne. Donc, c'est-à-dire, M. Gentili, sa page est tournée. Parce que, il dit que, date à lundi, il y a la cocosso ponaï. Parce que quand il a introduit, il faut un délai. Mais, le long de en tout cas, c'est difficile que le VPM a répondre. Donc, parce que, tant qu'on va publier le député provincial 15 jours après, il faut qu'il y ait la première plénière. Alors, si on a une plénière, et Sili, tant qu'on a une première plénière, on a une plénière, on a une gouverneur Yassika. Donc, pour Naye, moi j'ai entendu dans ma source, selon Beko, c'est-à-dire son souci c'était de revenir comme gouverneur de la ville province. Alors, cette position est bandeau Songaye, mais le loco Mazan Angote est comme un peu inquiétant, étant donné que l'IDP Sosan a 14 députés. Ton dirigeant province, Elisous, à part pour Mathieu. Madame, IDPS, gouverneur à Robima, en 2024, ça sera le fruit de l'IDPS. Et puis, dans ma mosaïque, il y a 21 députés. Tu vois, il y a un autre député. Donc, c'est fini. Donc, dans Gentil Ngobila, c'est fini pour lui. La page de Ngobila dans la vie province de Kinshasa, ce qui par magie à politique. Parce que, c'est-à-dire, au Mayowara, la politique, c'est l'art du possible. Parce qu'en politique, il ne faut jamais mettre un point. Mais ça sera une erreur politique de notre part. Quelqu'un que vous avez frustré, besoin que c'est la fonction. Capitale, ville, province. Je ne vais pas dire le contour ni les dessous des cartes. Il faut qu'il y ait un délibéré là. Très bien dit. Les dessous des cartes, effectivement. Alors, il y a déjà Sam qui me fait signe. Non, mais finalement, il y a tellement de sujets à aborder. Alors, on va terminer justement... parce qu'il y a quand même, c'est quelque chose que je viens de dire, je voulais vraiment confirmer, hein, pour confirmer, parce que par rapport à l'Italie, profil, il y a premier ministre quand même, Oyolobi, Arobi, Makakana, UDPS. Maintenant, moi, la Zota, là, vraiment, UDPS, je ne vois pas encore une personne. Est-ce qu'au profil, il vous a la nuit? Non, madame, on a rose à premier ministre. Au lobby, je ne vois pas quand même. Mais il y a qui s'en va. Monsieur Joseph Mbenza, oui, je vois. C'est quelqu'un, c'est un homme très intelligent. Alors, un homme qui parle très bien. À part au Panayi. Madame, les gens ont collé à l'IDPS une image que ne sont que les gens qui ont été dans la rue, mais qui n'ont pas étudié. Mais je vais révéler une chose. Le premier bâtonnier de la République, qui Mundela Tika Nambogo, c'est le maître, le bâtonnier Mukendi. Produit de l'IDPS. Le premier ingénieur qui a amené l'électricité du Congo central à l'époque Chaba, c'est M. Alexis Mutanda, produit de l'IDPS. C'est cool. Nous avons des valeurs à l'IDPS. Indiscamoko. Moi, j'ai 5 noms qui me viennent. Parce que normalement, la configuration géopolitique, c'est le tour de l'Ouest. Parce que le président était Moulouba. Étant Moulouba, il faut premier ministre après l'Afrique. Premier ministre selon Baïko, faut que soit Équateur ou bien Congo central. À l'Équateur. Mais il faut que ça quand tu as eu des mais le président n'a pouvoir discrétionnaire, il peut choisir une autre personne. Ça, c'est son pouvoir. Mais en tant que membre de l'UDPS, nous souhaiterons que le premier ministre provienne de l'UDPS. Je peux parler pour l'Équateur, c'est Jean-Pierre Liao.
vu ce qu'il a fait à la fonction publique. Fonction publique, il y a des sika, des kauka. Mais avec des problèmes. Mais lui, il a amené l'administration à un niveau économique. 200 000 mécanisés. Augmentation de salaire. Bravo pour lui. Où est la Congo centrale? Ma province d'origine. Là, j'ai beaucoup de noms. Que les gens m'excusent. Mais la première des personnes, je vois la ministre d'État, ministre au plan. Madame Judith Soumiana Touluka. La deuxième personne, je vois monsieur Moukoko Samba. La troisième personne, oh, ben, Koko Simba, c'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, M. André Wabisso. Madame Oumoni Bendis, ça, c'est l'UDPS. Donc, c'est pour dire, dans l'UDPS, j'ai été un jour dans la chaîne associée à Nabino, partenaire Nabino, quelqu'un qui écrit une lettre pour dire qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent avoir ces profils de premier ministre à l'UDPS. C'était une insulte pour nous, je ne pouvais pas accepter ça. Personne de ressources. Je dis, il y a des gens qui sont intelligents, capables. Et puis, place les ça l'a bien. Et ça que, parmi les collaborateurs et chefs de l'État, c'est beaucoup plus les gens de l'Ouest. Le Congo central. Un peuple pacifique. Un peuple calme qui n'exige pas grand-chose. C'est ma considération. T'as le comportement à M. Didier Boudimbo. Il s'est battu pour que tout récupérer l'actif pétrolier Nabisso. Correct, de bonnes décisions. Le chef blanc, il est correct. C'est un monsieur honnête, correct. Donc, nous souhaitons à la gouverneure de la Congo centrale. Il y a aussi un monsieur exceptionnel, mais on ne parle pas trop, c'est le docteur Divengi. Nous sommes au géré hôpital général de la maman et moi, qui a commencé ce projet dans la première brique. Ça, ce sont des Nekongo. Mais je ne dis pas que non, même Moussaï, la cause à la tête, Moulouba, mais je dis pour nous, c'est l'Ouest qui doit être aux avant-plats. Mais un débat de Bazolo, il y a Jean-Pierre Liaou, il part un peu favori. Mais, la Congo centrale, tout ça, peut-être à ma valeur, M. André Wameso, directeur du cabinet adjoint, chef de l'État, chargé économique et finances, un homme exceptionnel, un homme intelligent. Discret. Parce que Mukonzambo Kazan a besoin de premier ministre ou Kazan a ambition présidentielle. Ce qui est mais n'est-ce pas la vérité? Donc, V Kazan a ambition présidentielle. Pourquoi que Neko? Maman, par quel mal? Kazan a ambition présidentielle. Yamakasi. Bati Lukwebo. Yamakasi. T'es vieux déjà. Vieux déjà, t'es au Kendazo Pema. Viens Sali Moussala bien. Hein? Donc, viens payer ma mère. Dans l'IAWAZA, l'ambition présidentielle. L'IAWAZA, l'ambition présidentielle, il va rendre service. T'es Yakomi, à Olongwa. Voilà, fidèles téléspectateurs de Congo Unie Télévision. Monsieur Joseph Mbenza, un mot de la fin pour terminer. Non, c'est pour parler de la situation des Mweso à l'est du pays. Nous compatissons avec nos frères de là. Parce que, selon les informations que nous avons, on a arrêté deux mercenaires américains. Quand les mercenaires américains viennent sur votre sol, c'est qu'il y a des multinationales qui emploient des sociétés privées de sécurité américaines pour venir créer des désordres. Même la semaine passée, il y a eu un homme, un haut fonctionnaire américain, l'amiral William Fallon, qui était à Kigali, qui est venu avec un avion nucléaire de longue portée. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a amené au Rwanda. Ça, ce sont des choses qu'on doit dire. Parce qu'il y a un directeur, il y a stratégie d'analyse dans CIA. Donc, c'est pour dire que non, le complot est comme qu'on s'est dévoilé que c'est les États-Unis qui est derrière cette histoire. Donc, Rwanda. Non, Rwanda, ça n'est qu'un sous-traitant. Mais en réalité, ce sont des multinationales américaines qui sont derrière. Bravo, Wazalindo, parce que prochaine étape, c'est Kichanga. Après Kichanga, il y a deux localités ou trois, et puis Toke ou Kiwancha, Toke Bunagana. Donc, les choses avancent. Bravo à nos forces de défense et au Wazalindo. Donc, nous vous soutenons. Donc, voilà un peu mon mot de la fin. Merci infiniment. Merci Madame Marraine. Alors, merci hein, également à tous nos fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire. Au revoir.